Hey, salut à tous, c'est Adran, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Aujourd'hui on va faire un truc un peu particulier, vous voyez que je suis avec mon druide. Et en fait aujourd'hui nous allons accomplir la fin de la quête de Valanir. Donc comme vous le voyez ici, j'ai enfin rassemblé les 30 fragments de Valanir sur mon druide. Faut savoir que ça fait très longtemps que j'avais sur mon DK, parce que je farmais avec mon DK depuis plus longtemps. Parce que mon DK, je peux le sauter depuis plus longtemps. Et druide j'y avais pas pensé, bref. Je farme la tête de Mimiron et en fait je me suis dit en même temps, pourquoi pas farmer Valanir. Ça a été assez long à faire puisque j'ai eu très peu de chance sur mon druide contrairement à mon DK. Donc là je rassemble les 30 morceaux de Valanir, les 30 fragments de Valanir qui deviennent les fragments brisés de Valanir qui me permettent d'obtenir une quête. Les pièces s'assemblent parfaitement pour former un marteau de belle facture. Les titans semblent être à l'origine de sa fabrication, au moins en partie. La console de l'archivum, ou l'archivum, contiendra peut-être des informations sur cet artefact. Votre journal des quêtes est plein. Très bien. Ah oui, il est même plus que plein là. Hop. Osef de tout ça, c'est des vieilles quêtes que j'ai oublié de rendre. D'ailleurs, vous aurez sûrement peut-être... En fait, je me tâte, je vais vous mentir, à vous faire une vidéo sur la création de d'une autre arme légendaire, qui est l'arme légendaire de Terre de Feu. Comment s'appelle-t-elle? Alors, attendez. Je l'ai quasiment fini. Terre de Feu. Merde. Bon, enfin, vous savez, le bâton légendaire de Terre de Feu, je l'ai presque fini. Vous voyez que je suis sur une des dernières étapes et il me manque 30 morceaux, donc ça va aller très vite. Oh, je mets un rodé alors qu'il n'y a plus de trash. Mais en fait, le souci, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires. En fait, vous voyez, Valanir, autant il n'y a pas d'histoire. Vous voyez, là, ce que je vais vous montrer, c'est l'histoire. C'est là, y a pas, je vous montre le début et la fin en même temps. Le problème, c'est qu'il y a un peu d'histoire dans cette quête légendaire. Du coup, je ne sais pas si je vais vous la montrer. En fait, ce que je limite, ce que je devrais faire, c'est peut-être enregistrer la fin, ne pas vous la diffuser de suite. Et en fait, prendre mon reroll mage, qui est niveau 100, obtenir la quête, faire le début de la quête en solo, et en fait, vous voyez, je vous fais la liaison. En gros, je la finirai pas avec mon mage, puisque je m'en fous, mais je la finirai avec mon druide, et vous verrez la fin de la quête. Je pense que je vais faire ça, donc, sachez que vous allez avoir la fin de l'obtention d'une arme légendaire, sur la chaîne YouTube, une autre qui va arriver, celle de ce bâton, dont j'ai oublié le nom. J'aurais pu vous faire d'œil l'homme, mais le problème, ça fait très longtemps que je l'ai obtenu sur... Ça fait trop longtemps que j'ai tenu sur mon chevet de la mort. En attente d'entrée. Analyse des fragments, vous voyez parce que... Analyse du fragment en cours. Objet identifié. Valanir, marteau des anciens rois. Créé par les titans eux-mêmes, Valanir fut offert au premier roi terrestre, Urel, cœur de pierre. C'est avec ce marteau qu'il devait créer et donner vie au reste des siens. Valanir fut brisé pendant la première guerre entre les terrestres et les nains de fer. Les restes de l'arme étaient considérés comme perdus au cours du conflit. Les probabilités de réparation efficaces avec les méthodes conventionnelles de ce monde sont proches de zéro. Veuillez patienter pendant l'analyse des méthodes spéculatives. Les puissants fluides acides théoriquement contenus dans l'entité appelée Yogg-Saron devrait permettre la liquéfaction de la saronite. L'immersion dans cette substance pourrait être suffisante pour ressouder un alliage créé par les titans. Est-ce que tu as fini de parler, système de l'archivum? Valanir, le marteau des anciens rois. La console de l'archivum a laissé entrevoir un moyen de ressouder les fragments de Valanir. Vous devez les placer à l'intérieur de la forme physique d'un être appelé Yogg-Saron. Ce n'est pas gagné, mais pour obtenir un artefact d'une telle puissance, cela vaut le coup de prendre quelques risques. Lancez les fragments brisés de Valanir dans la gueule de Yogg-Saron pendant qu'il lance un rugissement assourdissant et triomphez de lui pour récupérer le marteau des anciens rois reforgé. Cette quête peut être accomplie qu'en mode héroïque et seulement si au moins un des gardiens du joueur ne vous aide pas. Voilà, donc en soi ça ne doit pas être un problème, autant à l'époque ça pouvait être un problème, mais moi je fais Yogg Zero Keeper, je le faisais déjà à l'époque en DK Tank. Non, nous on avait fait un Keeper, on n'est pas réussi à aller jusqu'au zéro. Donc je connais déjà la strat de Yogg-Saron depuis longtemps, donc là on va le faire en Zero Keeper parce qu'on est surpété, parce qu'on n'est pas du tout au niveau de l'instance. Mais voilà. Donc pendant qu'il lance un rugissement assourdissant, il faudrait que je lance les fragments de Valanir épars. Du coup, je vais pouvoir remonter un peu la musique.
Parce que du coup, on n'entendait pas bien sa voix, la pauvre femme. Enfin, au pauvre système de l'archivum, plutôt. Hop. Direction la prison de Yogg-Saron. Alors. Il me semble que le rugissement assourdissant... Je l'ai pas ici. Alors, il me semble que le rugissement assourdissant, c'est phase 3. Donc, on va devoir temporiser en phase 3. Sinon, tant pis, la vidéo sortira la semaine prochaine. Avec la bonne méthode d'effectuer. Par contre, je me demande si je fail, si je dois refarmer 30 fragments, ce qui me ferait un peu chier. Vous savez quoi? Je vais vérifier. Je vais vérifier pendant le combat. On va temporiser cette phase. Qui n'est pas importante. Je vais sur mon téléphone. Et je vais chercher la solution pour cette phase. Valhanir. C'est limite là où est cette phase-là. Je peux la temporiser à l'infini. Donc je vais vite faire une petite recherche sur mon téléphone. Valhanir, Hammer of the Ancient King. Et je risque rien de cette phase. Hein. Hop. Eh, du coup, c'est vrai que si je fais les phases avec alors les guides. Oui, oui, pas de pitié pour eux. Attaquez sans répit. Vas-y, tapez-moi. Tapez-moi, j'aime ça. Excusez-moi, Wowed galère un peu à charger sur mon téléphone. Allez, Wowed, je crois en toi. Laissez la haine et la colère guider vos bras. Alors, Burning Crusade. Non, Wrath of the Lich King. Details pour Valhamir. Only if Strikeeper or less assist you. Deafening Roar, ok. Et c'est en quelle phase? Ah, je l'ai jamais fait. Bon, écoutez, on va voir un peu YOLO. J'espère que j'ai pas un fail. Tremblez, mortel, avant que votre fin n'arrive. On va prier pour que ce soit en phase 3. Ou alors, à la limite, je temporise la phase 2. Oh là là, ça me fait chier en fait. En fait, je me suis renseigné sur la façon d'obtenir, mais j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. J'aurais dû être plus. J'aurais dû être plus prudent. Limite, j'ai envie de quitter là. Oh, attendez. Vous savez quoi? Je fais une petite coupure dans l'enregistrement. Quoique. Tremblez, mortel, avant que votre fin n'arrive. Bon, vous savez quoi? Et on va tenter. Mauvaise nouvelle, sire. Sérieux? Main Noire a uni les plans pour cette attaque. Ils feront bloc jusqu'à ce que Hurlevent tombe. J'espère juste que je vais pas faire de la merde. Parce que si jamais il faut que je refarme les... Ces démonistes à la tombée de la nuit. Jusque là, le clan Roche Noire tentera de prendre le mur Est. Un rougissement sur 10, hein. J'espère que c'est là. Si c'est pas là... Par contre, le truc qui me slow là, c'est horrible. Tant que des hommes au cœur vaillant occuperont ces murailles et son trône. Vous êtes sérieux que je vais peut-être pour la première fois pas réussir à passer cette phase du premier coup? Mais vous me direz si je fail, ça m'arrangerait presque. Ok.
Donc là. Là, on va attendre. On va être attentif surtout. Pareil, je pense que cette phase, je peux théoriquement la tenir à l'infini. Regard lunatique. Merde! Ah ouais, j'ai un petit timing. Bon, je vais les mettre low life, parce que s'ils sont low life, ils me font moins de dégâts. On sait jamais. Alors, rougissement ressurgissant, il va falloir que je sois super réactif. Regard lunatique. Ah, attention. Quand il fait ouvre grand la bouche, faut que je balance. Regard lunatique. Alors j'avoue, je stresse un peu parce que j'ai peur de faire de la merde. Allez. Fais pas le gosse. Yog. Regard lunatique. Il y a mon maître de guild qui m'a parlé, j'ai pas vu. Dis pas qu'il a fait qu'un par combat. Ah, normalement je l'ai lancé. J'espère que je me suis pas viandé. Merde, je me suis changé de forme. Je fais n'importe quoi, excusez-moi, je suis en train de paniquer comme un gros retard. J'espère que c'est bon. Je me prépare à Rapi au cas où je fais de la merde. Au cas où il le refasse. Est-ce que je l'ai? Valanir, marteau des anciens reforgés. Nice. Bon, c'est pas chier. Et donc on va obtenir notre arme légendaire. Hop. L'antichambre. Ouais, j'avais le droit de me fail, ils sont sympas, bizarres quand même, ils auraient pu me faire des gros coups de pute. Il m'a dit quoi le maître de guild, attendez. Si tu ne sais pas encore Adrane, quand tu fais une héros piffée avec sacoche, appelle aux armes. Tu as désormais dans la sacoche plus de 500 PO, environ 4 jetons de torf, 2 runes et environ 50% de chance d'avoir un jeton, 695. Ok. Oh nice. Ok, nice. C'est juste... Et là, ah attention. Tant 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 tant. Et y'a pas un haut fait de guild qui s'en sait pas aussi. Vous allez me dire j'ai pas cette réputation, c'est ça? Être honoré, mais je suis plus qu'honoré, non? Je suis exalté. Alors on va juste regarder cette arme avant qu'on se quitte. Et elle est quand même pas mal, honnêtement. Je la trouve plutôt jolie. Et du coup, ça me rajoute une légendaire de plus à ma collection. Du coup, quelle légendaire est-ce qu'il me manque? Eh bien, plus beaucoup, hein, ça, figurez-vous. Merde, son. Ah, oui, ils sont dans le tour de force. Donc j'ai Valanir. J'ai normalement Azinoth. Deuil Ombre aussi. Deuil Ombre, on a dû la passer. Parce que je l'ai pas obtenu assez longtemps que ça. Ah, si. Ok. Voilà, Deuil Ombre. Les glaives de guerre d'Azinoth. J'ai Ragnaros. La bénédiction des sincères. Ah, ça marche sur mon passif. Vous avez vu, on voit l'effet du coup. Vous pouvez voir l'effet. Et donc du coup, j'ai presque le bâton légendaire, l'écrou du père, il va falloir que je monte en rogue pour ça. Et je suis déjà en train de commencer à farmer l'âme tonnerre, l'épée bénie du cherche-vent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est dommage, il n'y a pas tant d'histoire que ça au final, on nous explique juste qu'il faut la balancer. Et c'est tout.
C'est peut-être juste le petit, seul petit défaut de. De tout ça. Finalement, je trouve qu'il n'y a, a pas beaucoup de. Genre, on sait que c'est une arme utilisée par les titans lors de la première, qui a été perdue lors de la première guerre, mais c'est tout. C'est dommage, je pense qu'il y avait moyen de faire un truc assez intéressant autour de cette arme. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite, j'espère, pour une nouvelle vidéo sur WoW. Je vais essayer de faire le plus vite possible de cette quête-là. Et de l'enregistrer, d'enregistrer toutes les parties histoire afin de vous, la proposer, de vous les proposer. Je ferai un montage avec mon mage, j'irai farmer un peu, histoire d'arriver vite à la phase où j'en étais. Je vous fais des bisous, je vous retrouve très vite. Et je vous dis, ciao les gens. Oh, attendez, laissez-moi vous quitter.